Ah non, depuis 2 ans. Ouais. Ça va? Hein? Oui. Bon. Ça va, ouais. T'es avec nous ou pas? Non, désolé. Je t'entends bien, ouais. Non, désolé, je suis en train de réfléchir à un truc. Un projet qui me tient à cœur, j'aurais aimé vous en parler. C'est qu'en fait, j'aimerais bien partir faire l'humanitaire. De l'humanitaire? L'humanitaire? Toi, de l'humanitaire. Bah, alors, oui. Dans un pays, toute seule, où tu connais personne, où c'est un peu dangereux parce que bon, l'humanitaire c'est rarement en plein Danemark, qu'on se le dise. Souvent dans les pays, civilisation, c'est dans les pays un peu chelous. Je l'invite. Et mais, comme ça t'a piqué, t'as envie de faire de l'humanitaire. Bah ouais, parce que je m'ennuie un peu, enfin j'aimerais bien. Désolée. Non, mais j'aimerais bien, je sais pas, voir d'autres personnes, d'autres gens, et puis sortir un peu de ma routine, quoi, me sentir utile. Mais tu veux faire ça toute seule en fait? Enfin, tu veux partir avec ton sac à dos et... Bah je sais pas, il faut que je me renseigne, mais... Enfin voilà, c'était juste une idée que j'avais comme ça quoi. T'as commencé à prendre des contacts avec des œuvres humanitaires ou autre? Non? Même pas? C'est juste un projet pour le moment? Ouais, c'est juste un projet, je sais pas. On verra. Tu connais des gens qui en ont fait déjà ou... Non. Grande aventure. On verra bien. T'annoncer que ta candidature a été retenue. Bienvenue chez MH. On va aller voir l'endroit. Du coup, c'est ici, c'est la salle de défense, c'est la salle de débrief. Là, qui est en train de. Je vous présente les cuisinières. Vengadesh, Priya, Mina et Vivek. On a un programme spécial consacré à la lettre et les chantiers humanitaires.
Blinity. Franchement, c'était une super expérience. Je reviens vraiment grand-gris, j'ai rencontré beaucoup de gens et c'était vraiment bien organisé et du coup, c'est vraiment... Tu reçois plus que ce que tu donnes, donc c'est vraiment humain, quoi.